décision fut prise le 22 juillet. Churchill avait persuadé Roosevelt d'ouvrir un second front en Afrique du Nord. Ce fut l'opération Torch. On avait prévu 250 000 hommes. Quand les convois s'ébranlent d'Angleterre, d'Irlande et d'Amérique, il n'en emporte que 113 000. Les états-majors de l'Axe ont à ce moment même les yeux fixés sur elle à la mer. Depuis le 23 octobre, Rommel et l'Afrika Korps font face à l'assaut des troupes alliées. Montgomery a lancé une offensive puissante et bien préparée. La bataille, à laquelle prennent part des détachements français, est meurtrière. Le 4 novembre, le front craque, la victoire est totale. Churchill avait fait de cette victoire une condition de la réussite du débarquement, et le 8 novembre au matin, il y a 25 ans, l'opération Torch est en cours. Quatre navires ont amené sur les plages marocaines 20 000 hommes et 1700 véhicules. Malgré une surprise totale, il fallut tirer le canon. À Oran, où sont parachutés les hommes, les circonstances sont analogues. Il en ira autrement d'Alger. L'arrivée des alliés y avait été préparée par des résistants groupés à la suite de l'appel du 18 juin, qui se rendirent maîtres des points clés de la ville. Cette action a notablement aidé le général Eisenhower à réussir l'opération Torch, qui amèneront bientôt aux côtés des alliés les forces françaises d'Afrique du Nord. Sans doute, comme le souligna De Gaulle,